Une fois cet objectif en tête et mes Pokémon soignés, je décida de me rendre sur la prochaine route qui me permettrait de rejoindre Azuria, la ville de la prochaine arène. Dans cette route, il y avait pas mal de dresseurs. Mais bon, j'étais plus motivé que jamais à en découdre. Mais c'est au détour d'un combat contre un Chenipan niveau 10 que Crisacier atteint le niveau 10. Je savais très bien ce que ça voulait dire. Notre Crisacier allait enfin évoluer en Papillusion. En plus de ça, il apprena une attaque qui me sera fort utile par la suite. Choc mental. Armé de notre nouveau compagnon, les combats suivirent, mais ne se ressemblaient pas vraiment, à part que la victoire était toujours pour moi. Enfin, il faut dire qu'avec cette équipe, comment aurais-je perdre? Ouais, j'ai commencé vraiment à sentir le potentiel de mon équipe, mais je restais assez calme et je ne me sentais pas pousser des ailes, car je me souvenais très bien que j'avais perdu contre les pierres de pierre. Et ça, j'évitais trop de m'en vanter. Une fois tous ces combats faits, je me mis en marche vers le mont Sélénite, cet endroit rempli de Pokémon roches et lugubre tant qu'à faire. Ouais, c'était pas très rassurant, mais mon équipe à mes côtés, je me sentais tout de suite beaucoup plus rassuré. Une fois au mont Sélénite, nous reprit notre chanson traditionnelle. On doit tous les éliminer, Pokémon! Non, plus sérieusement, les combats étaient repartis, mais cette fois dans une ambiance plus lugubre. Les montagnards s'enchaînèrent, les petites filles perdues, je suppose que c'est normal, et t'es aussi de la partie. Heureusement, ouais, heureusement que notre équipe était là. Je sais pas ce que j'aurais fait sans eux. Je pense même pas que je me serais aventuré au Mont Sélénite, pour être honnête. Ouais, rien que d'y penser, sans Pokémon, ça m'aurait fait flipper. Bien que j'étais de plus en plus confiant avec mon équipe, je prenais quand même quelques précautions. Dès que je voyais mes Pokémon légèrement affaiblis, je n'hésita pas à retourner au centre Pokémon pour les soigner. Je m'en voulais de les voir souffrir. Non, pour moi, je devais être comme un père pour eux. Même si, à leur côté, je sentais mes forces décuplées. Mes Pokémon montaient de plus en plus de niveau et apprenaient de plus en plus de bonnes attaques. Mais attendez, la Team Rocket, que fait-elle là? Que font ces vauriens ici? La Team Rocket? Ah, non, c'est des voleurs. C'est des voleurs de Pokémon. Non, ils peuvent pas être là, ça doute mon imagination. Ah non, ils sont bel et bien là. Ah oui, j'ai oublié de dire quelque chose d'essentiel. Ouais, en plus d'être des voleurs de Pokémon, d'infâmes personnages, ouais, ils savent pas bien s'en servir. Ils sont nuls. Ah là là, quelle facilité on a à les battre à chaque fois. Mais bon, plus sérieusement, ne faites pas ça. C'est n'importe quoi. Voler des Pokémon, voyons. Alors qu'on a juste à les capturer, franchement. C'est pas comme si c'était compliqué. Non. Après ce combat, enfin, si on peut placer un combat, parce que je suis sûr qu'il avait des Pokémon volés, je
continua mon chemin et croisa deux fois plus de membres de la Team Rocket. Ok. Bon bah, je vais pas me retenir pour aller les éliminer. Non. Bon, je devais quand même garder mon idée en tête. Aller à Azuria. Ouais, pour avoir le plus de badge possible. Mais si en même temps, je peux éclater des membres de la Team Rocket, comptez sur moi pour pas m'en priver. Allez, comme je suis d'humeur joviale, je vais quand même me permettre de leur trouver une petite qualité. C'est vrai, ils m'ont permis de faire évoluer Nidoran en Nidorino. Et ça, j'apprécie. Ouais, c'est cool. Non, je déconne. C'est des enfoirés. Après cette magnifique évolution de Nidoran en Nidorino et le démantèlement de plusieurs membres de la Team Rocket, je poursuivis donc mon ascension. Et après un combat, je tomba sur un espèce de scientifique qui semblait travailler pour la Team Rocket, qui volait des fossiles. Voler, bien évidemment, c'est ce qu'il sait faire de mieux. Et encore, s'il serait doué pour quelque chose, ça serait. Non, plus sérieusement, après l'avoir battu, il décida quand même de coopérer et nous proposa de choisir un fossile, le fossile d'homme ou le fossile nautile. Qu'est-ce que ces fossiles? On dirait des fossiles de Pokémon. Peut-être qu'on pourrait les réanimer? Je sais pas. Dans le doute, je choisis le fossile nautile. Après cet accord commun, je pensais vraiment m'être débarrassé de la Team Rocket. C'est vrai, je les avais battus, je vois pas pourquoi ils viendraient si tôt. Mais j'avais oublié à quel point ils pouvaient être stupides. Et c'est là que je croisa deux sbires qui se prenaient pour des patrons, Jesse et James. Ouais, et c'est là qu'un nouveau style de combat pour moi allait commencer. Un combat double. Ça risquait d'être prometteur. Heureusement, mes Pokémon, en équipe ou en solo, pouvaient prêter leur force. Mais ce combat n'était pas si compliqué que ça. En même temps, je pense que j'ai peut-être surestimé la Team Rocket.